Comme vous pourrez aisément le remarquer, il y a une petite couille de son dans l'épisode. Le micro n'a pas pris la prise audio, donc c'est le son natif de la caméra que j'ai essayé de corriger comme faire se peut. Mais je voulais vraiment pouvoir sortir ce troisième épisode cette semaine, histoire de tenir le rythme. J'ai donc décidé de bosser à partir des rushs de la caméra. Voilà, désolé pour la petite gêne occasionnée et je vous donne rendez-vous, comme chaque semaine, dès la semaine prochaine. Il y a Nick Conrad qui a remis ça. Ouais, Nick Conrad. Vous en souvenez, le rappeur. Enfin, le rappeur. Le monsieur. Hein, enfin, le monsieur. Enfin, bon, bref. Hein, qui avait fait la chanson. Enfin, la chanson. Ah, c'est très dur. Hein, Pendez les Blancs. Et ben, il a remis le couvert. Et là, inutile de vous dire qu'on est parti dans le game 2.0. Hein. Alors, je vais pas vous mettre les paroles parce que ben, je vais pas me faire striker ma chaîne pour ce petit con. Hein. Je vous mets juste le screen hein, que j'ai fait moi-même parce que je me suis emmerdé à écouter le morceau pour vous mettre les meilleurs punchlines. Hein, avec la petite photo de fin du clip, quand même. Les effets spéciaux Hollywood, le rêve américain où il étrangle une femme à main nue. Donc, bien évidemment, toute la classe politique s'est indignée hein, en disant que c'était un scandale, c'est pas bien, c'est dégueulasse. Non, mais sans déconner, vous êtes durs les politiques avec Nick Conrad, ça se fait pas de faire ça, de l'attaquer comme ça alors qu'il fait des efforts. Bah oui, il fait des efforts. Au début, il voulait pendre les blancs et brûler leurs parents, d'accord. Excusez-moi, mais pendre les gens, bah, ça nécessite des infrastructures, il faut quand même du budget. Brûler les gens, bah, ça pollue la planète. Et là, il veut plus les pendre, il veut plus les brûler, il étrangle juste des femmes blanches à main nue. Donc, non seulement ça coûte moins cher, non seulement on pollue pas, puis en plus il tue que les femmes, donc déjà il y a 50% de ses cibles en moins. Non, franchement, le mec avance, je vous trouve dégueulasse. Attends, par contre, du coup, s'il étrangle une femme à main nue à la fin du clip, mais merde, c'est un féminicide, putain, faut que j'appelle Marlène Schiappa. Allô, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Marlène Schiappa. Ne me regardez pas. Même au téléphone? Non, surtout qu'en plus c'est dégueulasse de faire ça parce que il avait mis un petit disclaimer. Le mot France est à considérer ici comme mentalité française, médias, etc. Hein, qui se sont arrogé le droit de qualifier Nick Conrad en termes inexacts, avec une jolie faute, plutôt que d'ouvrir le débat épineux. C'est donc sur eux que se tournent ces mots, mais en aucun cas sur les Françaises. Point inclusif, il a quand même osé le con, qui subissent malgré eux, l'influence des médias et des leaders d'opinion mensongers, Nick Conrad, artiste, homme libre. Donc voilà, le mec il allait pas dire la mentalité française et le patriarcat esclavagiste qui a dominé des populations opprimées pendant des années. Non ! Comment tu vas faire des rimes avec ça? C'est pour ça qu'il a dit France. Après, heureusement, rassurez-vous, YouTube, face à des milliers hein, de signalements, a quand même pris une décision courageuse, celle d'interdire la vidéo aux moins de 18 ans. Ah ouais, attendez, oh! Faut dire, apologie d'actes de terrorisme, il faut quand même être majeur, faut pas déconner. Quant à la presse, bien évidemment, elle s'est également indignée. Le rappeur Nick Conrad, à nouveau, dans le viseur de la droite. Oh merde! Oh! À mon avis, d'ici quelques heures, on va avoir le droit à la fachosphère. Mais attendez les gars, s'il est évident que majoritairement des hommes politiques de droite ont repris ce scandale, hein, en vue notamment des européennes, hein, faut quand même être clair, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens de gauche qui ont quand même été choqués par la chanson. Après, au niveau des contestations politiques, il y en a qui ont été un tout petit peu moins téméraires, hein, à l'image de Benoît Hamon. Bah alors là, toute la fachosphère en train de dire, ah bah forcément, hein, Bilal Hamon, gna gna gna, c'est parce que il soutient les discours intégristes, mais pas du tout. C'est qu'il est occupé, Benoît! Il mange un kebab! Bonjour, on est aujourd'hui à Béziers, je suis avec Naïm Acharaï. Naïm Acharaï est élu de Bordeaux. Et Robert Ménard, le maire d'extrême droite de Béziers, lui fait un procès parce qu'elle a dit de lui, la vérité, c'est qu'il avait été condamné pour incitation à la haine raciale en première instance. Mais comme il y a eu une décision qui a été cassée en appel, il lui fait un procès pour diffamation. C'est pas le plus important. Le plus important pour Naïma et pour moi, candidat sur la liste Génération, c'est de dire que derrière ce kebab que n'aime pas Robert Ménard, puisqu'il trouve qu'il y en a trop à Béziers, il trouve que c'est là une forme de remise en cause de ce que serait le patrimoine civilisationnel de la France, lui qui se place dans l'héritage judéo-chrétien de notre pays. Il fait la guerre au kebab, mais derrière la guerre au kebab, il fait surtout la guerre à une population. Bah ça c'est ironique Benoît, parce que quand t'étais au gouvernement de François Hollande, là, t'as pas un peu l'impression justement que vous avez fait la guerre à la même population? Non mais la vraie guerre cette fois-ci. Qu'il n'aime pas,
des Français, des étrangers, dont ils n'aiment pas la culture, dont ils n'aiment pas l'apport qui est le leur à la France et pour laquelle nous on veut se battre. Parce que face à ces idéologies qui divisent, ces idéologies qui sont nauséabondes et qui ne peuvent déboucher que sur de la violence et de la sottise, et cette sottise elle est toute incarnée dans le mandat de Robert Ménard, nous nous voulons unir les Européens, mais aussi unir les Français autour de projets justement, qui sont des projets politiques qui rassemblent, autour parfois aussi d'objets culinaires comme celui-là. Mais j'aurais juste rappelé à Robert Ménard que le couscous est le plat préféré des Français, et qu'il faudrait aussi qu'il bannisse le couscous de sa ville, et que quand on en est arrivé aujourd'hui à expliquer qu'il ne faut pas manger de kebab pour être un bon Français, c'est qu'on est vraiment, vraiment le dernier des derniers. Bravo Benoît. Alors là, de voir autant de courage, autant d'engagement, que si ça fait pas plaisir, trois petites précisions néanmoins. Premier point, je suis pas sûr que pour draguer l'électorat musulman, ce soit forcément super pertinent de leur adresser une vidéo en plein ramadan au milieu de l'après-midi en train de bouffer. Deuxièmement, alors c'est pas pour soutenir Robert Ménard, je peux pas le piffer, mais parler de dernier des derniers quand on est crédité de moins de 5% des intentions de vote aux prochaines élections, ah, c'est pas le registre de langage que j'aurais choisi. Et troisièmement, félicitations Benoît, hein, tu viens de prouver qu'on pouvait être une personnalité de gauche, très médiatisée, très très peu appréciée par l'extrême droite, et bouffée au milieu de l'après-midi, sans service de sécurité, au milieu d'une ville tenue par l'extrême droite, sans se faire emmerder. Voilà. Et tu t'achètes un cerveau un jour ou pas? Ah oui, arrêtez de parler de la droite tout le temps. Je veux dire, il y a des gens de gauche, particulièrement chez les journalistes, qui ont fait un très bon travail, comme Libération d'ailleurs. Le théorème rapologique indique que si ton nom tourne plus vite qu'un joint en soirée, si les machines à café assistent impuissantes à la question fatidique, t'as vu le noir qui chante pendait les blancs, alors sortir vite un album tu dois. Quelques jours après l'apparition de son opus 2.0 Révolution, hein, ouais, c'est vrai, j'ai du mal à le dire, nous rencontrons le rappeur Nick Conrad, la clope au bec, au jardin d'acclimatation. À 11 ans, il plonge dans la marmite du rap avec la maladie. J'ai écrit mon premier texte le 4 janvier 1994 sur mon lit d'hôpital. J'avais besoin d'exprimer ce que j'avais sur le cœur, ce que je vivais sur le moment. Sa mère, contrairement à ce que j'ai pu entendre, elle ne travaille pas pour la mairie. Il ajoute, mes parents m'ont transmis un bagage intellectuel et culturel important. Réprobation unanime du gouvernement et de nombreuses associations antiracistes. L'artiste est condamné à 5 000 € d'amende avec sursis. Nick Conrad doit en plus verser 1 000 € de dommages et intérêts à la Griff, dont le président est un ancien du FN. Oh merde! Et aussi à la LICRA, salopard de sioniste, qui soutiennent une pièce de théâtre empêchée par le cran à la Sorbonne où les acteurs blancs arborent des masques noirs. Attendez, juste, je fais une toute petite pause, je vais vomir, je reviens. Ah non, franchement, ça fait plaisir de voir les médias comme ça soutenir nos artistes, particulièrement en ce moment. Bah oui, on s'est pris une branlée à l'Eurovision, là. Oui, l'Eurovision, 14e. Putain! Ah non, mais moi, j'étais en PLS, sans déconner, quoi. Bah, c'est vrai que moi, j'ai un peu hésité, hein. J'étais devant mon téléphone, fallait voter. Bon, Nick Conrad, Bilal Hassani, finalement, j'ai décidé de voter blanc. Ah non, non, franchement, je fais un métier difficile, hein. Me taper cette connerie d'Eurovision, là, toute la soirée pour pouvoir faire une chronique. Non, mais oh, quand tu vois un travesti de 70 ans en robe à paillettes avec un pentagramme sur la tête en train d'hurler Shalom Israël, vous la cherchez pas un peu, des fois, la complosphère? Mais bien évidemment, le meilleur moment de la soirée, la PLS Ultimo Stratosphérique, c'était nos amis islandais qui, au moment où on leur attribuait des points, hein, n'ont pu s'empêcher de déconner. Iceland, are you ready? 186 points. And we go to France, our next country's France. Inutile de vous dire que juste après, pendant plusieurs minutes, hein, le malaise a quand même été au moins de 15 sur 10 sur l'échelle de Villejuif. Et le pire, juste après, c'est qu'il y avait Bilal Hassani qui passait, justement, et que du coup, la caméra était centrée sur les présentateurs et qui ne prenait plus le risque de filmer les gens. Enfin, de filmer les gens, de filmer la France. Allez, parce qu'ils se sont dit, quand tu vois notre pays, oulala, attends, parce que l'autre, je sens qu'avec ses histoires de Dieudonné, il va nous sortir un kéfier. Donc, putain, il sera fait niquer jusqu'au bout, Bilal, hein. Mon moment préféré étant quand même le mec de la sécu en panique qui tente au dernier moment une partie de Capture the Flag. Another one. Let's go to Australia. Another one. The flag. The flag. Australia, you're getting from the public. The flag. That's it. The flag of Palestine. There is another one. Please give us the odds. Give us
No, the there flag. Is another one there. Give me please the flag of Et une fois de plus, là encore, la prestation de Bilal Hassani a donné lieu à des vagues de contestations sur les réseaux sociaux, des vagues de propos homophobes que bien évidemment je condamne, mais qui seront, rassurez-vous, de moins en moins nombreux, puisque ça y est, Emmanuel Macron nous l'assure, les réseaux sociaux, c'est bon, il va gérer. Oui, il a fait une petite réunion avec Mark Zuckerberg, qui de son propre aveu s'est trouvé très enthousiasmé par le volontarisme du président de la République, et ils auraient, paraît-il, trouvé ensemble les meilleurs moyens de lutter contre la haine, et de lutter contre les fake news sur internet, la cible principale consistant à supprimer tous les faux comptes. Alors sur le papier c'est une super bonne idée Zuckerberg, maintenant je ne suis pas persuadé que la meilleure personne avec qui discuter de la suppression des faux comptes sur internet soit justement un mec qui a plus de 2 millions de faux comptes sur les réseaux sociaux justement. Après attention, La République En Marche, ils ont créé des faux comptes qui sont sympas aussi, Moi ce que j'aime bien c'est ceux avec des actrices porno. Oui, c'est vraiment des faux comptes de La République En Marche. Bah quoi ? Je veux dire, c'est cohérent avec le message ! Vu comment on va se faire baiser ? Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour ! Et à l'heure des élections européennes qui se rapprochent plus que jamais, l'objectif est de lutter contre la haine, contre l'euroscepticisme, et pour ça, vous pouvez compter sur Sophia Ossini du Parti Communiste Français. Pour moi, les eurosceptiques, tout d'abord, ce sont des gens qui sont profondément racistes, qui sont dénués de valeurs. Putain ! C'est moi ou ça a changé légèrement ces dernières années, le Parti communiste français ? Beaucoup de réactions sur Internet lors de la sortie de Madame Sophia Ossini du Parti communiste français, quand elle a affirmé que l'euroscepticisme aujourd'hui était plus ou moins égal au racisme. On a par exemple Bob Rob qui nous dit, du coup, est-ce que les Anglais, les Norvégiens, les Suisses sont racistes, Madame Ossini ? Alors, merci déjà de cette question, en effet. Mais la number one, c'est bien évidemment Nathalie Loiseau, l'inénarrable Nathalie Loiseau. On voit ça hier soir, ouais. Le collage d'affiches, là. Ouais. C'est pas illégal de coller des affiches comme ça, de manière un peu... Écoutez, c'est pas moi qui colle les affiches. Évidemment que c'est pas toi qui les colle, mais c'est pas toi qui es dessus non plus, puisque La République En Marche a décidé il y a une semaine de virer Nathalie Loiseau de toutes les affiches des campagnes pour les européennes pour la remplacer par Emmanuel Macron. Et c'est La République En Marche qui a pris cette initiative, mais c'est très bien, ça me fait très plaisir. En tout cas, il recouvre Jean-Luc Mélenchon. Bon, donc ça devait être légal, puisque M. Mélenchon s'était mis là. En même temps, on peut pas lui en vouloir de pas savoir qu'elle a pas le droit de faire ça. Quoi ? C'était les méthodes du GUD. S'ils les gagnent pas avec ça, les élections européennes, je me demande ce qu'il faut faire, Tu me diras au moins l'avantage, quand ils auront gagné les européennes, la LREM, et qu'ils auront abrogé les nations européennes d'ici quelques années, l'avantage, quand il y aura plus de nations européennes, c'est qu'il y aura plus d'Eurovision. Quoi ? Ça s'appelle voir le verre à moitié plein, les copains. Je suis pas content !